Oui, oui, juste comme ça. Déplace-le. Déplace-le un petit peu. Je le déplace où? À gauche ou à droite? Maintenant, déplace-le un peu à gauche. Ok. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon, là? Oui, reviens. Lève-toi, lève-toi. Hey! Essaye de la faire démarrer. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Oui? Allez-vous enlever cette chose de la route? Vous êtes normal? Vous êtes normal? Retirez la voiture. Hey, hey. Retirez-la de la route. Azuka. Survolez. Azuka. Avez-vous conscience de cette communauté? Et alors? Vous n'avez pas de bonne manière. Vous êtes le prince, et alors? Azuka. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Azuka. Allez-y, non? Mettez-la. Et toi, là. Dégagez-la. Mais retirez-la, non? Nous sommes désolés. Vous êtes le prince. Et alors? Écoutez, le véhicule a eu un petit problème. C'est juste que nous ne pouvons pas le déplacer facilement. Il n'y a personne pour nous aider à le pousser. Vous comprenez? Omeka! Omeka! Madame? Apporte-moi les clés 22 et 13. 22 et 13? Oui, oui, dépêche-toi. Vous avez dit 22 et 13? Oui, oui. Ok, elles sont là. 22 et 13. D'accord. Que se passe-t-il là-bas? Messieurs, la patronne vous a dit de vous détendre. C'est un petit problème. Ok, tu as attaché celui-ci. Je le retire. Faites attention, s'il vous plaît. Ok. Faites attention. Va démarrer la voiture. Que je la démarre. Oui, oui. Messieurs, donnez-moi la clé. Les clés sont dans la voiture. Monsieur, la clé, c'est... Ouais, elles sont dans la voiture. Ah, d'accord. Attends. Monsieur. Oui. Vous voyez votre voiture? Si elle démarre, alors deux choses sont en jeu. Vous restituez cette voiture à la personne à laquelle vous l'avez achetée. À son tour, elle la restituera au fabricant. La deuxième option... Écoutez, rien de ce que vous dites ne m'intéresse. Cette voiture est une marque de qualité. C'est une SE, différente de la LE et de la SLE. Donc je ne suis pas intéressé, vous pouvez la dépanner. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Pas où? Monsieur, ils ne vous ont pas dit que vous vous trouvez actuellement chez Azuka Auto? Je ne le sais pas. Voici notre quartier général. Il n'y a pas de voiture que nous pouvons arranger. Vous voyez celle-ci? Nous réparons le modèle de A à Z de votre voiture. Je ne crois pas tout ce que vous racontez. Vous pouvez le faire, ce n'est pas un problème d'argent. D'accord, pas de problème. Ça vous fera 25 000. Eh bien, c'est à rien. Est-ce que vous pouvez le faire? Vous n'avez pas répondu à ma question. Monsieur, vous parlez de nous. Sans souci. Allez, mets dans notre travail. Je connais cet homme. Oublie l'argent, c'est pas un problème. C'est un déterminé, il nous le donnera. Allez, mets ton travail. Commence. D'accord. Monsieur, vous voulez nous tester? Vous pouvez vous dépêcher. Je sais pas où il se trouve. Je vais te montrer de toutes les couleurs. Vas-y, joue. Joue. Voilà, regarde, j'ai joué. Tu as de la chance. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a-t-il? Tu as vu sa tête? Qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur Azuka, c'est ses amis, non? Ils nous ont battus en nous disant que c'est à cause de toi que nous avons eu le toupet de ne pas les saluer. Spaco et ses amis vous ont battus? Oui, grande sœur, ils nous ont battus. Oh. Grande sœur, ce n'est pas comme si nous ne savons pas quoi faire, hein. Mais c'est parce que tu nous as dit de ne rien faire. Et ils t'ont même insulté, hein. Ils t'ont traité de bouc hideux. Hey! Spaco et ses amis. Hey! Allez. Dis-moi, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans la boutique maintenant, de Spaco. Avancez. Ça, on y va. Où sont-ils? Mais où est cet idiot? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu as giflé mon frère? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas possible. Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez d'abord. Et attendez.
Je ne comprends rien du tout. Tu es sûr que c'est à moi que tu t'adresses? Ou alors tu as fait une erreur, hein? Tu es jumeau? Moi, le gros bacouille dans ma boutique. Mon ami la ferme. Je me suis cassé dessus. Et je parle, tu oses me répondre. Écoute, laisse-moi te dire, laissez-moi vous dire où je vais, n'est pas très loin. Est-ce que vous voulez me suivre? C'est à moi que tu parles comme ça, n'est-ce pas? Tu comptes aller, personne ne te suivra là-bas. Ah bon? Personne ne te suivra. Faites donc ce que vous voulez. Quand je parle, tu oses me répondre, n'est-ce pas? Hé, Asuka, Asuka, non, non, tout va bien, tout va bien. Non, hé, arrête ça maintenant. Arrête. C'est bon, Asuka. Regarde un peu ce que tu viens de faire. Tu en as fait assez, hein? Ce que tu viens de faire à l'instant, ils ne pourront plus jamais dans leur vie attaquer tes frères encore. Imagine ce gars. C'est bon, c'est bon. Donne-moi. Imagine ce donne-moi. Gars. Donne-moi. Si tu tues quelqu'un maintenant, ce ne sera pas bon. Ça suffit. Ils ont retenu la leçon. C'est bon. Maintenant, allons-y. Mec, laisse-moi te dire. Ce n'est pas une blague. Ah ah. Ce gars est le roi. Il a aidé plusieurs personnes. Ok, en parlant de sa maison de disques, le gars a Perosi. Il a Mayerkoum. Et même Remus. Même tous ces petits qu'il formait par-ci par-là, on finit par percer. En vrai, oui, avant-hier, il a fait. Il a aidé beaucoup de gens. C'est ce que je te disais, non? Je t'assure qu'avec lui, ton étoile va briller. Hé, mec, c'est pas ta meuf. Mais voilà ta meuf qui s'en va, mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Pardon, 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 ne gâche pas ma bonne humeur, mais... Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Est-ce que c'est ça qu'on appelle une meuf? Dis-moi si c'est une meuf, mec. Ce n'est pas une meuf, mec. Quelqu'un qui passe tout son temps se comparer à un homme, juste sa démarche. Oh. L'a complètement disqualifié d'être une femme, je te jure. Bakou, elle est devenue, tu vois, elle est... Pour l'instant. Quand tu parles d'une meuf et penser à ceci... T'es vraiment un homme fort. Écoute, laisse-moi te dire, où je vais, il n'est pas loin. Hey. Mais c'est là que je fais marcher. Mais tu sais que où tu vas, il va falloir que tu sois accompagné. Tu n'es pas sérieux. Où je vais, il n'est pas loin. Mais c'est là que je vais m'arrêter. Attends, on va voir. Tiens, ne veux-tu pas laver tes mains? Bonsoir, papa. Reviens. Asuka, je pensais qu'on avait déjà réglé cette affaire. Pourquoi continues-tu à te comporter et t'habiller comme un homme? Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Papa, voici le genre de choses que je n'aime pas. Si je ne te salue pas, tu diras qu'Asuka n'a aucun respect. Maintenant, je te salue, tu ne réponds pas à mes salutations. Tu parles de quelque chose qui ne te concerne pas. Reviens ici. Du jamais vu. Tu vois celle-là? Tu l'appelles encore un enfant? Hein? Écoute, laisse-moi te dire. Si tu avais voulu qu'elle change, tu l'aurais fait pendant qu'elle grandissait. Encore. Pas maintenant qu'elle est déjà une adulte. Il faut savoir battre le fer pendant qu'il chauffe. J'ai entendu tout ce que tu as dit, oh. Urena, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Écoute, je ne t'en veux pas. Quand ma mère était encore en vie, elle m'a montré tellement d'amour. Elle m'a traité comme un ange. Mais tu es arrivé ici et tu as tout changé avec ta haine. Tu m'as endurci pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Vas-tu la fermer et lui parler avec un peu de respect? Papa, je vais dire ce que je pense. Laisse-moi exprimer ce que je pense. Papa, tu devrais être fier de moi. Tu devrais être fier de la fille que tu as. Dis-moi, est-ce que quelqu'un est déjà venu ici te dire que j'ai volé? Non. Est-ce que quelqu'un est déjà venu ici te dire que je lui devais? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, si tu l'ignores, tu m'as bien fait tôt. Si tu n'es pas fière de moi, je suis fière de moi-même. Et papa, je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour changer ma vie ainsi que la vie de tous ceux qui m'entourent. Au cas où tu ne le saurais pas, je suis une combattante de la liberté. Nai, mange ta nourriture. C'est en train de refroidir, oh. Regarde cette yo. C'est bon. Il ne bouge pas. C'est bon, c'est bon. Monsieur. Oui. Normalement, je ne travaille pas dans la nuit. D'accord. Mais je vais réparer cette voiture pour deux raisons. D'accord. Premièrement, parce que mon ami Omeka est venu avec vous. Et deuxièmement, parce que vous venez tout droit de Lagos. Et vous êtes ici pour aider un citoyen qui va se marier demain et il veut utiliser cette voiture. Exactement, madame. Alors, avant de toucher à votre voiture, vous allez me donner 10 000 naira. Asuka, 10 000 naira,
pour un travail de nuit. C'est rien, c'est rien. C'est bon. Il est évident que tu as reçu la communion avant de... Ouais, c'est ça. Parce que je te connais, tu es censé demander 50 000, 20 ou 30. Non, c'est rien. Je le fais juste pour notre frère. C'est ton jour de chance. Mm. Tu es chanceux. Alors, mettons au travail. Tu peux utiliser ceci. Ok, ok, donne-lui les 10 000 pour qu'on se mette au travail. Récupère l'argent, récupère. Monsieur, avez-vous des outils dans votre voiture? Oui. Ok, s'il vous plaît, sortez-les. Allons, j'ai besoin de lumière. Attends, ok. S'il vous plaît, apportez les outils. Tiens d'abord ceci. D'accord. Tiens ce truc. Tiens ça là. Dossier, c'est quoi, non? Ah, il se fait tard. Pourquoi pars-tu comme ça? Donne-moi juste un dernier baiser. Nous avons déjà tout fait dans la brousse. Et si quelqu'un nous voyait? C'est juste un petit baiser de bonne nuit. Je ne peux pas dormir si je t'embrasse pas. Baiser de bonjour, baiser de bonne nuit. Voyons. Tous les jours baiser. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, comme ça, je prêchais la parole de Dieu. Oui, tu as besoin de Christ. Oui. Elle ne faisait que prêcher. Elle te prêchait. Oui. Tu étais en train de lui prêcher la parole sous un arbre à 7h de la nuit. Je l'invitais dans mon église, grande sœur. Pécheur, tu as besoin de te repentir. Et c'est quoi le rapport entre prêcher et s'embrasser? Parce que je viens de vous voir en train de vous embrasser à l'instant. Non. Ferme-la. Ferme-la. Je l'embrassais. Reviens ici. Grande sœur. Tu vois? La ferme. Tu vois, il vient de s'enfuir. Hé, Boubé, tu penses que tu es toujours une enfant? Tu penses que tu es toujours une enfant? Tu ne sais pas que tu es une femme maintenant. Tu prêches et embrasses sous un arbre. Pasteur, dégage-la. Allez, dégage-la. Vous imaginez? Azuka, reviens. De tous les métiers qui existent dans ce monde, c'est la mécanique auto là que tu préfères. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec mon travail? N'as-tu pas vu d'autres professions là à l'extérieur qui conviennent aux femmes? Telles que la couture, la coiffure ou la diététique? Hein? Tu as plutôt choisi le métier des hommes. Papa, qui a dit que mon travail n'était uniquement que pour les hommes? N'es-tu pas celui qui avait dit qu'il y a de la dignité dans le travail? Alors, du moment où je ne vole pas, je ne me prostitue pas, tu n'apprécies pas? Hey! Regardez mon pad! Mon pad est là! Écoute, je vais t'en coller une, hein. Tu dois payer mes œufs. Je ne blague pas, je vais t'en coller une. Tu dois payer mes œufs aujourd'hui. Regarde. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a cassé mes œufs. Il ne m'a pas payé. Jackson, encore toi? Vas-y, comment ça s'est passé? Je marchais tout seul sur ma voix et puis tout d'un coup, elle m'est carrément rencontré. Et puis les deux sont tombés et se sont cassés. Ce n'était pas intentionnel. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il m'a demandé de sortir avec lui. J'ai refusé. C'est pour ça qu'il a cassé mes œufs. Tu vois ta vie? Donc c'est comme ça? Tu lui as demandé de sortir avec toi. De toute façon, tu vas commencer à coucher avec elle. Pour après la mettre enceinte et détruire son avenir. Combien d'œufs a-t-il cassé? 4 œufs. 4 œufs. Allez. Mais comment? Ferme-la! Mon ami, dépêche-toi. Attends. Regarde, on peut régler tout ça. Hein? Ce n'est pas arrivé à ce stade. Écoute, hein? Partons chez moi. Tu comprends? J'irai prendre l'argent chez ma mère, le montant exact. Et je te le donnerai, je te promets, s'il te plaît. Vous pouvez imaginer un adulte comme toi
Tu n'arrives même pas à avoir 200 naira. Mais tu suis une fille par-ci par-là. S'il te plaît. Pardon. Tu pourchasses une fille. Une innocente fille pour détruire sa vie. Alors que tu n'arrives même pas à avoir 200 naira. Pardon, écris. Avance là-bas. Avance, avance. Avance. Nous pouvons régler ça. Nous pouvons régler ça. Ce n'est pas un problème. Mon ami, j'ai dit avance. Ne me raconte pas cette merde. Arrête de me raconter cette merde. Tu m'as dit que tu pouvais la réparer. Et je t'ai prévenu que c'était une marque rare. Que tout ceci est électrique. Mon frère, calme-toi. Me calmer, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Vous allez me tuer. Et puis quoi encore? Écoutez, ce n'est pas tout ce que vous dites que j'entends. Essayez juste de vous calmer. Mon patron sera bientôt là. Je l'ai déjà appelé. Tu as appelé ton patron. Ça fait combien de temps? Combien de temps vais-je rester ici? Messieurs, détendez-vous. Hein? C'est quoi le problème? Oh, merci, elle est là. Cet homme va me tuer, je ne comprends rien. Il se comporte comme un bulldog depuis que nous sommes là. C'est de lui que je te parlais au téléphone. Il disait qu'il va faire ci, il va faire ça. C'est pour cela que je t'ai appelé. Ah, ah. Qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture? Un instant, excuse-moi. Ne me dis pas que tu peux pas ranger cette voiture en tant que mec. Mais tu fais appel à une dame. Mais si vous allez arrêter de la honte. N'insultez pas mon patron. Hey, c'est elle qui m'apprend ce travail. Vous êtes ici pour réparer votre voiture? Ou alors pour parler de qui est un homme et de qui est une femme? Vous pensez que la mécanique est facile? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre voiture? Le voyant de la batterie a commencé à s'allumer. Puis, la clé, c'est fortuné. C'est ce que je demandais à cet homme de faire. C'était... Et il a été incapable. Si c'était aussi simple, vous n'alliez pas venir ici. Oh. Mec. Ah, pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment? Ah, mais je te l'avais déjà dit. Si le voyant de la batterie n'est pas stable, il y a deux choses. Soit l'alternateur est défectueux, soit c'est la courroie du ventilateur. Ne fais plus jamais c'est ça. C'est la famine. Quel genre de famine? Quel genre de famine? C'est la famine. Allez, va là-bas. Monsieur, nous allons réparer votre voiture. Arrêtez votre bavardage là. Ne venez pas frustrer les gens ici. Ouvre le capot. Hey! Ah. Oui. Attends, viens. Tu connais encore la chanson. Écoute. Waouh, papa. Il est au papa. Papa, nanana, y'a quoi? Oh, papa. Voici la route qui mène à la maison. Hein? Non. Voilà le chemin de la maison, allons-y. Si tu vas là-bas, tu iras au Cameroun. Allons par là. Non, si tu vas par là, tu iras plutôt au Ghana, je te dis. Allons-y, je t'en ferai. Avance, viens. Laisse-moi t'arrêter. Doucement, t'arrêter. Allons-y. Laisse-moi. Regarde cette rivière. La rivière? Maintenant, traversons. Hey, doucement. Je te tiens. Oui, c'est ça. Ouais. Voici maintenant le fils de mon guerre. Tu as besoin d'aide. Attends. N'est-ce pas ma sœur aînée, Asuka? Non. Oh. Elsie. Asuka, la combattante de la liberté. Mm. Ikem. Hein? C'était. Viens. Ah, allons-y. Cours. Passe plus vite. Pourquoi vous avez fui? Grande sœur, nous avons pris de l'alcool. Vous avez quoi? Grande sœur, nous avons bu de l'alcool, donc on ne voulait pas que tu nous vois dans cet état. Vous avez bu de l'alcool. Et Kené et Ikem, vous avez bu de l'alcool. Hein? Grande sœur, nous sommes désolés. Vous êtes désolés. Rentre chez toi. J'ai dit de rentrer chez toi. Je reviens te voir, hein? Tu reviens. Ikem, tu reviens.
Je vais commencer à te surveiller à partir d'aujourd'hui. J'ai constaté que tu as commencé à traîner avec Spaco et tous ces mauvais garçons dans cette communauté. Mais moi, Azuka, combattante des libertés, je ne te permettrai pas d'être une nuisance dans cette communauté. Ça n'arrivera pas. Allez, va à l'intérieur. Oui, j'y vais. Vous avez bu de l'alcool. Regardez sa tête. Bonsoir, grand sœur. Et Boubé, allez, viens ici. D'où est-ce que tu viens? Je suis allée... Depuis quand est-ce que tu es devenue bègue? Non, grande sœur. J'étais à l'église. Après l'église, nous sommes allés voir un membre de la chorale qui est malade. Non. Nous sommes allés prier pour elle. Et Boubé, grande sœur, vous êtes allée voir... Qui? L'un des membres de la chorale. Qui est malade? Qui est malade, oui. Hein, tu es allée prier? Nous sommes allés prier pour la guérison. Grande prieuse. Nous sommes allés prier pour la guérison. C'est ce que je suis en train de dire, non? Ne peux-tu pas voir que c'est clair? C'est évident que tu es en train de mentir? Grande sœur, Je crois. Et Boubé. Et Boubé, ce que tu aimes peut te tuer, oh. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu le sais? Je ne pense pas. Va à l'intérieur. Grande prieuse. Grande sœur! Grande sœur! C'est maman! Maman, marchez! C'est quoi maman, marchez? Spaco, Spaco et ses amis! Spaco et ses gens encore? Oui, 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 ils oui, oui! Spaco et ses amis! S'il te plaît, grande sœur! Allez! D'accord, d'accord, allons-y! Azuka, j'ai fait à manger. Je peux te l'apporter? Depuis quand est-ce que tu me donnes ta nourriture dans cette maison? Je voulais te dire merci pour ce que tu m'as fait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? De nous avoir défendu, nous les femmes du marché. Donc c'est pour ça que tu veux commencer à me montrer de l'amour et faire de moi membre de cette famille, hein? Laisse-moi te dire, ton amour et ton attention arrivent en retard. Je n'en ai pas besoin.
Azuka! 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 Donc tu es ici en train de dormir et tu as même fermé la porte avant, tandis que les autres sont allés à l'église. Hein? Si tu étais venu à l'église et tu voyais comment ta sœur était en train de chanter, c'était comme si des anges descendaient du ciel. Hein? Une femme vertueuse. Sœur Angélique. Donc tu as fait descendre les anges aujourd'hui. Exactement de la même façon qu'ils se rassemblent sous les arbres avec certaines personnes. Tu fais très bien, ma sœur. Je te vois. Tu iras très loin dans cette voie. Sœur Angélique, femme vertueuse. Change d'attitude. Change et sois meilleur que ta sœur. Je t'aurais prévenu. Ah, Azuka. Ah. Et Boubé, grande sœur. Tu sais que je surveille tous tes mouvements louches. Tu le sais, n'est-ce pas? Et tu sais que si je veux t'exposer maintenant, je pourrais facilement le faire. Grande sœur, s'il te plaît. S'il te plaît, grande sœur. Relax. Même si ta mère me déteste, tout ce que je ressens pour toi, c'est de l'amour. Et tout ce que je peux faire, c'est te conseiller. Tu vois toutes tes réunions sous les arbres et tout le reste. Ça va te causer des ennuis. Oh. Mais si tu attends jusqu'au mariage, tu vas le faire, le refaire, jusqu'à te fatiguer de le faire. Mais si tu n'arrêtes pas, très bientôt, ça va se dévoiler. Ou alors, tu vas choper toutes ces maladies qui accompagnent cet acte. Non. Non, non, non. Ah. Non. Grande sœur, j'ai compris ce que tu m'as dit. Merci beaucoup. Mais grande sœur, j'ai des sensations bizarres dans mon corps. Je ne comprends plus rien dans mon corps. Hey. Hey. C'est arrivé. Tu l'as dit à ta mère? Non. Donc, tu veux que je lui dise ou alors non, tu grande sœur, s'il te plaît. Non, tout ira bien. C'est juste des maux de tête. Tout ira bien. Et Boubechi. Et Boubechi. Tu iras bien. C'est juste une migraine. Et grande sœur, j'ai les maux de tête. Ok. Hé, Boubechi. Que fais-tu ici dehors? Hein? N'es-tu pas censé faire la lessive avec ton frère? Pourquoi es-tu couché ici? Maman, je me sens juste fatiguée. C'est comment je me suis engagée avec les activités hebdomadaires de l'église en préparation de la semaine de la jeunesse. Je le sais. C'est seulement Dieu qui récompensera nos efforts en tant qu'humains. D'accord. Je vais au marché pour acheter certaines choses. Au cas où tu voudras manger, il y a de la nourriture dans le grenier, d'accord? Réchauffe et mange-la avec ton frère. D'accord. D'accord, maman. Je serai bientôt de retour, ok? Partage les cartes et laisse-moi te montrer comment les vrais hommes jouent. Regarde-le. Tu crois que ce sont les paroles? Je te donnerai une leçon, ne t'en fais pas. 6, 0. Yeah. Je te conseille de ne pas rire maintenant. D'accord, joue. Ok.
Ah, cela me revient à l'esprit. Comment va ta sœur et Poupée? Et Poupée, elle se sent pas très bien, Elle a l'air de... Oh, en parlant du loup. Et Poupée, et qu'elle a demandé de tes nouvelles. Mec, ce n'est pas bon signe du tout. Qu'est-ce qui n'est pas bon signe? Ikem, si c'est sûr à quoi je pense, toi-même tu ne l'aimeras pas. Hein? Ok. Du courage, hein? Courage. Ok. Ikené. Bien. À quoi penses-tu? C'est exactement comme ça que ma soeur Oshu faisait aussi. Jusqu'à ce que l'infirmière Fioma confirme qu'elle était enceinte. Et vous payez enceinte. Et Kené? Attends, elle est enceinte vraie. Hey! Maman? Ah. Tu es de retour? Bienvenue. Maman, tu n'as même pas chuté. Tu n'as même pas chuté l'arachide. Ferme-la et va appeler ta soeur pour moi. Je voulais que j'achète l'arachide. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, il y a quelque chose que je veux te dire. Oh, Gany. Est-ce que tu sais que cet après-midi, pendant que Gany et moi étions en train de manger ici, et Poupée est sortie ici et elle a commencé à vomir? Imagine ce que Kenny m'a dit. Quoi? Et Kenny a dit que Poupée est enceinte. Hein? Elle est quoi? En quoi? Maman, fallait voir à quel point Kenny avait l'air sûr quand est-ce qu'il le disait. Il a dit que quand sa sœur Oshu vomissait aussi, ils ont dû l'amener chez l'infirmière Idioma. Où elle a été confirmée être enceinte. Mban. Ngene, ça ne peut pas être ma Poupée. Et Poupée qui ne sait pas ce qu'il y a entre les jambes d'un homme ou à quoi ça ressemble? Parlons moins d'être enceinte. Non, maman, ça tu devrais me croire. Ok, vas-y, appelle-la donc et confirme-le de toi-même. Appelle-la. Hein? Et Poupée? Maman. Et Poupée, tu crois? Maman. Maman, me voici. Pourquoi tu traînes les pas comme ça? Hein? Ne me dis pas que ce que Ike m'a dit est vrai. Maman, je ne sais pas ce que Ike m'a dit. Hey! Et vous êtes enceinte? Que Dieu m'en préserve. Non, maman, je ne suis pas enceinte. J'ai juste des maux de tête et... Hey! J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Hey, Poupée, tu es enceinte? Voilà. Moi, dis-moi. Maman, non. Hey, wow. Maman, non, je ne suis pas enceinte. Non, je ne suis pas enceinte. Prends ça. Va le garder dedans. Et puis tu reviens. On va voir l'infirmière Ifoma. Comme ça, elle pourra confirmer si tu es enceinte ou pas. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Je suis finie. Il faut me céder dans l'après-midi. Hey. Elle est enceinte. Hey, wow. Hey, Poupée est enceinte. Elle est. Je suis fini. Hey, est-ce que tu sais que ça a été confirmé que Poupée est réellement enceinte? Hein? Hey! Mince, mais, je te l'avais dit, non? Hein? Je le savais. Je l'ai dit. Mais qui pourrait être responsable de cette grossesse maintenant? Mais ce doit être son petit ami, non? Dossier. De quel dossier parles-tu? Le même dossier que tu connais. Hey! Cela veut dire que Poupée couchait avec Ndozi pendant tout ce temps et on ne le savait même pas. Ah! Hey. Ndozi qui couchait avec Poupée pendant tout ce temps. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Ils couchaient ensemble tous les deux, n'est-ce pas la même chose? Elle, lui, hey. Ah, c'est la même chose. Regarde maintenant Poupée qui est la lumière brillante de notre famille. Honnêtement, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait faire un truc pareil. Il faut avoir peur des filles d'église. Il faut avoir peur d'elle. C'est comme ça que ma soeur Ojo se trompait. Elle trompait tout.
jusqu'à ce qu'enfin, la bulle éclate. Aïe. Mon père sera très très déçu. Mais tu sais ce que tu vas faire? Va rester avec ton père. Comme ça, il ne mourra pas d'hypertension pour rien. C'est ton père qui mourra. Chai, comme tu as décidé de me donner la honte dans cette maison. Je serai la première personne à te donner de la honte, espèce de devenue chèvre. Chai, cette maison ne pourra pas contenir ce vieux mot. Cette maison ne pourra pas nous contenir. Donc, Boubé, j'ai dit que tu ne peux pas nous dire qu'il est en santé. Hein? Je suis désolée. Tu es désolée? Oh, donc les activités de l'église n'étaient qu'une couverture, n'est-ce pas? Dieu t'a déshonoré. Écoute-moi, Dieu t'a exposé. Bonjour, grande sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, Iboubé? Iboubé est enceinte. Iboubé, la sainte, est maintenant une sainte enceinte. On aura tout vu. De toute façon, tous les deux vous avez dit que voici la fille que je devrais imiter. Alors comment vous allez régler cette affaire maintenant? Papa, tu as dit que je suis le mouton noir de la famille. De toute façon, quel lien y a-t-il entre les anges et les démons? Est-ce que tu vois la honte que tu as menée sur toi-même? Tu vois ça? Tu vois ce que tu as menée sur toi? Tu es enceinte! Eh Boubé! Eh Boubé, dis! Eh où? Eh waouh! Regarde ce que tu m'as fait! Regarde ce que tu m'as fait, moi, ta mère! Pour la dernière fois, dis-moi qui est le responsable de l'enfant qui grandit en toi. Pas. Papa, je ne sais pas. Hein? Je sais pas. Hein? Tu dis que tu ne sais pas? Que veux-tu dire, pas tu ne sais pas? Mais quel est qui a dit la que tu... La ferme! C'est à toi qu'on a demandé. Tu sais que je connais tous tes mouvements, n'est-ce pas? Tu sais que je connais tous tes points de rencontre à chaque fois que tu sors de cette maison, disons aller à l'église. Tu sais que je sais, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de l'ouvrir et dire à papa et maman qui t'a enceinté. Sinon, tu sais, non? Tu le sais, n'est-ce pas? Tu connais. Yeah! Et Boubé, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Qui t'a mise enceinte? Grande sœur. Relax, d'accord? N'aie pas peur. Je ne suis pas ici pour te réprimander. Je veux juste savoir comment te défendre en tant que ta sœur. Alors, dis-moi, qui t'a mise enceinte? Grande sœur, c'est dossier. C'est dossier. Tu en es sûre? Grande sœur, je te jure, je te jure. Je n'ai couché avec aucun autre homme à part Ndosier. D'accord. Étant donné que tu en es sûre,
sûre à 100% que c'est Ndozi. Laisse le reste pour moi. D'accord? C'est bon. Merci, grande sœur. C'est bon, d'accord? Merci. Ça va aller. Pas étonnant que mon fils se soit enfui immédiatement après qu'il vous ait vu. Non, mais c'est encore quoi cette histoire? Tu sais que nous sommes très proches et que nous avons toujours été de bons amis pendant des années. Ceci ne doit pas apporter de la discorde entre nous. Je t'en supplie. Mais, si je dois parler, tu pourrais venir demain avec ton frère Ouza. Et moi, j'inviterai mon frère au Cafort et comme ça, on pourra s'asseoir pour résoudre cela. De toute façon, je t'ai entendu. Quand je viendrai demain avec mon frère Ouzo, on en parlera. Hey. Ndozi. Ndozi va finir par me tuer et m'enterrer un jour. Hey. Maman, où vas-tu? Maman, je vais à l'église. Église? Quelle église? Où tu cherches comment... où c'est une excuse pour que t'es sortie comme d'habitude? Hein? Papa, bonne arrivée. Qu'est-ce qu'elle dit? Demande-lui. Hein? Elle dit qu'elle va à l'église. Pardon? Je suis en train de lui dire qu'elle n'ira. Retourne à l'intérieur que je te donne une bonne bave. N'importe quoi. Église. Espèce d'idiote. Viens t'asseoir. Merci. Comment ça s'est passé? Il est vraiment très chanceux que je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai causé avec son père. Hein? J'ai discuté avec son père. De toute façon, il m'a tout dit. J'y retournerai demain. Hein? Quelqu'un qui est censé se mettre à genoux et à nous demander pardon d'avoir mis notre fille dans cet état s'attend à ce que nous allions chez lui pour le supplier. Hein? Lorsque j'irai là-bas demain, il verra de quoi Ogbonna est fait. Ne t'en fais pas. Demain n'est qu'à une nuit près. Asuka. Écoute, hein. Mec. Ce n'est pas comme si je te déteste. Tu connais ce genre de choses. Je confirme, je confirme. Tu es mon pote. La seule chose est que, comme tu me vois là, j'aime être du côté du bien. C'est une base ferme. Vraiment. Et une fois que tu as compris cela, le respect s'impose. Je te fais confiance pour cela. Tu me comprends, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, pour dire vrai, tu viens de dire la vérité. Écoute, Asuka, tu sais qu'à ce stade, où je vais n'est pas loin. Mais c'est là que je vais m'arrêter. Mon frère. Est-ce que tu me comprends? Je te comprends. Sérieux, tu es ma sœur, non? Eh ouais. Moi, je te vois comme ma petite sœur. Si tu vois le nez, alors tu as vu la bouche. Bien dit, mec. Tu ne me comprends pas. Tout ce qui a touché le nez a touché la bouche. Je te comprends. Non, tu es ma personne personnelle. C'est pas des blagues, c'est du sérieux. Tu comprends? Je te comprends. Tu vois ce que tu viens de faire là? C'est maintenant mon tour de... Tu es le meilleur, mon pote. Je te fais confiance pour ça, mec. Ouais, c'est ça, mec. Tous les jours qui passent, tu m'épates vraiment. Ouais, c'est ça. Je vais te dire un truc. Qui ne connaît pas, en tout cas, la bâton de la liberté? Qui ne connaît pas, en tout cas, la bâton de la liberté? Ok, laisse-moi te dire. Qui ne connaît pas l'argent? Tu ne connais rien, mec. Tu es trop fort. Si tu ne connais pas, d'accord, tu ne connais pas l'argent. Tu sais de quoi je parle, non? Laisse tomber. C'est vrai ce que je raconte. Toi aussi. Où je vais, n'est pas loin. Je sais. Ma chérie, vas-y, bois. Regarde, faut boire. Qui ne connaît pas l'argent? Ok. Trop fort. Écoute, Asuka, tu es. Moi, je ne vais plus m'amuser avec toi, Asuka. Tu es mon pote, non? Il y a là. Ah, c'est toi qui connais, c'est ça. Personne qui connaît, c'est ça. Mec, sérieux. Pourquoi est-ce que tu pleures? Grande sœur. Dossier dit qu'il n'est pas prêt pour le mariage. Et c'est pour cela que tu pleures. C'est pour cela que tu coules des larmes. Parce que Ndozi a dit qu'il n'est pas prêt pour le mariage. Alors que tu es une sœur comme moi. Yawa. Asuka, combattante de liberté.
Il n'est pas prêt pour le mariage, mais il était prêt à flâner jusqu'à ce qu'il te mette enceinte. Tu vois ce gars? Aujourd'hui, je ferai de lui un homme. Il va t'épouser. Tu as dit que tu étais prête à aller t'installer avec lui. Il va t'épouser. Il ne va pas juste t'épouser, il va t'épouser en accomplissant tous les rites. Ouais. Pour les jeunes, il payera. Celui des femmes, il payera tout ce qui a besoin d'être payé. Et il apportera tout ce qui doit être apporté. Je ne vais jamais supporter le fait qu'un homme mette une femme enceinte et qu'on soit en train de le supplier. Imaginez, le supplier pour qu'il épouse la fille. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Asuka ne va pas laisser cela arriver. Tu sais quoi? Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Essuie tes larmes. Quiconque se sentant déjà prêt à flâner, d'aussi être prêt à faire quoi? Se marier. Ekene? Hein? Ikem. Allez, allons-y. Mets la main sur ce gars. Allons-y. Ce gars joue. Il est fou. Tu peux imaginer ça? Il est malade. Moi, le grand. Voilà l'idiot. Voilà l'idiot. Arrête-toi là. Arrête-toi. Arrête-toi. Dans cette communauté, dans ce village. Dans ce village, je vais te donner. Je vais te donner une leçon à ce gars. Regarde-moi ça. Je vais lui donner une leçon. S'il le veut, qu'il entre dans un truc. Je vais le déterrer de là. Quiconque se sent prêt à flâner doit être prêt à se marier. Exactement. Tu as tout dit, ma chère Asuka. Moi, le grand Spaco, je te soutiens à fond. Quand tu le voudras, je serai là. Je t'assure, petite sœur, écoute, tout ce que moi je commence, je dois le terminer. J'ai confiance. C'est en ce moment qu'ils sauront tout ce que je fais n'est pas loin, mais c'est là que je vais m'arrêter. Je te crois. Partons d'ici. Allons-y. T'en fais pas. Regardez-moi ce gars. Asuka, la combattante de la liberté, nous sommes avec toi. Mon frère, nous allons lui chercher une belle fille vierge. Pas quelqu'un qui va venir avec une grossesse de nulle part. Et tu veux qu'on accepte un truc pareil jamais de la vie? Tu vivras longtemps. Et plus longtemps que Mathusalem, tu dis la vérité. Dosier, voici la deuxième fois que tu nies cette grossesse. Hein? Et tu sais que tu ne dis pas la vérité, Dossier. Tu sais non, que tu ne dis pas la vérité. Non, mais tu racontes des balivernes. Non, mais t'es malade. Comment peux-tu venir avec la grossesse de quelqu'un d'autre et la mettre sur ma tête? T'es malade. Non, mais comment peux-tu venir avec la grossesse de quelqu'un d'autre? Si je m'occupe de toi, tu seras la personne avec qui tu... Non, mais ça ne va pas dans ta tête. Tu es malade? Tu veux gifler la soeur? Espèce de taré. Tu veux gifler ma soeur? Tu es malade? Écoutez, Dossier doit épouser cette fille. Hein? Dossier doit épouser Epoubé. Dossier n'épousera pas Epoubé. Pourquoi? Il ne peut pas épouser cette fille. Pourquoi? Tu ne connais pas la tradition. Tu ne connais pas la tradition. Très bien. Tu n'en sais rien. Dans ce cas, Igwe s'en compte de cette histoire. Igwe doit apprendre ça. Igwe ne fera rien. Il ne peut rien faire pour ça. Très bien, ça se campera. Il ne peut pas. Ça se campera. Il ne peut pas. C'est très bien. Igwe s'en compte de cette histoire. Je dis qu'il ne peut rien faire. Ok, ça se campera bien. Cette histoire va très mal finir. Je suis vraiment sur les nerfs. Peux-tu imaginer Dossier? Imagine Dossier. De toute façon, moi, Asuka, je vais continuer de me battre pour la liberté et les droits de ma sœur dans cette communauté jusqu'à ce qu'il fasse ce qui est juste. Il peut s'enfuir. Tu vois son Dossier? Il peut s'enfuir, mais il ne peut pas se cacher. Asuka, je suis désolé de te dire ça. Asuka, pour dire vrai, je suis déçu. Je suis vraiment déçu, je t'assure. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire juste un appel? Je serais venu immédiatement avec une clé à molette pour défoncer sa tête avec... Non. Et en ce moment, on ne parlerait plus. Salut. Asuka. Ouais. Omeka. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Omega, ça ne donne pas. Petite sœur, je ressens ta colère. Dis-moi ce qui s'est passé. Ça ne donne pas. Peux-tu imaginer? Imagine Dossier. Dossier se fout de moi dans cette communauté. Dossier est en train de jouer avec moi. Attends. Tu veux dire que... Dossier n'a pas fait ce que toi, tu lui as demandé de faire. Voilà donc le problème. Mais ça, c'est qu'elle manque de respect, ça. Il est malade. Hein? Attends un peu. Donc, Dossier a oublié que c'est toi, la combattante de la liberté. Asuka. Tu sais, le pire dans tout ça, c'est que ce gars a osé renier ma sœur devant les ancêtres. Peux-tu croire ça?
Ok, il réunit ta sœur, hein? Ok, maintenant comme c'est arrivé, il faut laisser. Je prends les choses en main, je suis le grand Spaco. Relax, détends-toi, tu comprends? Regarde, comme c'est déjà arrivé, montons notre équipe pour pouvoir le descendre. Utilisons la formule 02. Non, 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 je suis pas d'accord. Utilisons plutôt ton truc, ce que tu as l'habitude de faire. Tu vois de quoi je parle? C'est comme ça qu'on fera, mec, c'est comme ça qu'on fera. Et c'est en ce moment qu'il saura que où je vais n'est pas loin. Mais c'est là que je vais m'arrêter. Vous avez raison. Mais vous ne pouvez pas comprendre la colère qui me ronge à l'intérieur. Ce gars osait renier ma sœur. Non, non. Il continue de renier ma sœur. Après tout ce que ce gars ose... De toute façon, allons-y. Ne te casse pas la tête, agissons juste. Agissons. Azuka, c'est toi qui as créé tous ces problèmes. C'est à cause de toi. C'est bien, mec. C'est très bien. Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends même pas ce que je veux dire. Bonjour. Bonjour. Ah, en te voyant sortir si tôt ce matin, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Je voudrais aller voir mon frère à propos du terrain qu'il m'a promis, comme ça je pourrais le vendre. Mais Nai, j'espère que tu te souviens du loyer de la boutique dont je t'ai parlé. Non, aussitôt que nous aurons vendu le terrain, je te donnerai de l'argent pour le loyer de la boutique. J'ai compris. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis un messager du palais. Ah. Le roi a demandé de vous convoquer, vous et votre fille, Azuka. Ah. Oui, monsieur. Ok, on arrive. Hey. J'espère vraiment que ce n'est pas grave. Hey! Nai! Il doit s'agir d'un dossier que notre fille a impitoyablement battu. Hey! Hein? Rappelle-toi qu'il est encore à l'hôpital. Ah. Hey! Cette fille ne me tuera pas. Elle ne me tuera pas. De toute façon, permette que j'aille la chercher afin que nous allions ensemble au palais. Hey! Nain, du courage. Ok, merci. Igwe-igadio. Longue vie à vous, mon roi. Je l'ai toujours dit. Que notre fils ici présent, Dozier, n'est pas responsable de la grossesse que Bobé porte. Parce que il n'y a pas de preuve que Dozier ici présent a enceinté et Bobé. Vous savez que dans tout le village, il y a des rumeurs par-ci et par-là. Igwe, selon les rapports authentiques, on voit toujours et Bobé. On la voit partout. Dans les églises et les maisons des pasteurs. Et surtout dans la nuit. Donc, il n'y a pas de preuve que des boubés soient responsables de cette grossesse. Comment quelqu'un peut-il venir avec une grossesse non désirée et nous la balancer pour qu'on s'en occupe? Non, Igwe, c'est pour ça que je suis ici. Igwe... Igwe, avec tout le respect que je vous dois, Votre Altesse, il n'y a absolument aucun lien entre les buissons et les églises. Et à maintes reprises, j'ai attrapé ces deux-là. En train de s'embrasser sous les arbres et dans les buissons. Est-ce que je mens? Non, grande sœur. Dozier, est-ce que je mens? Vous voyez, par sa réaction, il est évident que je dis la vérité. Igwe, il n'y a qu'une femme qui sait qui l'a mise enceinte. Et j'ai demandé à ma sœur, encore et encore, et elle m'a confirmé que c'est une Dozier qui l'a mise enceinte. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il veut le nier. Je crois en ma sœur. Elle est disposée, elle est prête à jurer par n'importe quoi dans cette communauté pour prouver qu'une Dozier l'a enceinte. Oui. Igwe, ces anciens sont en train d'essayer de me mettre de côté parce que je suis une femme. Mais Igwe, je suis toujours du côté de la justice. Et la justice ici est de prouver que Ndozier l'a mise enceinte. Si Ndozier, en fait, Ndozier l'a mise enceinte, il devrait être prêt à accepter ses responsabilités et faire le nécessaire. Voilà mon point. Je suis en ébullition, en pleine ébullition. Mais avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un homme de sagesse. Et je voudrais que vous utilisiez cette sagesse pour régler cette affaire. Merci. Merci.
Mais, ouais. C'est bon, assieds-toi. Assieds-toi. C'est un palais. Tu as eu ton tour. Et maintenant, Dossier, regarde-moi. Oui. Regarde-moi par ici. Oui, votre Altesse. Et tu es... Et Bubetchi. Oui, et votre Bubetchi. Altesse. Oui. Maintenant, Dossier, est-ce que tu peux jurer par cet ancien nophore de nos ancêtres que je tiens dans mes mains que tu n'es pas responsable de cette grossesse? Maintenant, et Bubetchi. Votre Altesse. Maintenant, peux-tu jurer par cette force sacrée que Dossier est le seul homme avec lequel tu as couché? Oui, votre Altesse. Alors, c'est clair. Dossier, ici présent, doit l'assumer. Voici mon jugement. Dossier, ici présent, devra accomplir le rite traditionnel de mariage de Bubetchi et devra la prendre comme épouse. Voilà ma sentence. Merci beaucoup, votre Altesse. Là où sont les yeux, je crois qu'on fait l'autre ici. Je n'ai déjà pas l'imaginer. Wow. Je dois te dire que c'était vraiment remarquable. Merci. Vous êtes très courageuse. Et intrigante. J'aime les gens qui défendent leurs droits, surtout du sexe opposé. Merci. Attendez, désolé. Je sais qu'on s'est déjà rencontrés, mais ce n'était pas dans des conditions favorables. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais avoir votre numéro. Juste pour apprendre à vous connaître. C'est pas possible. Tu es sérieuse? Hormis le fait que certains anciens voulaient me mettre de côté, je suis restée sur ma position. Attends. Et le roi, en tant qu'homme sage, a commencé à penser comme moi. Il a prouvé. Je t'assure. Il a prouvé. Je t'assure. Laisse-moi essayer de comprendre tout ça. Tu veux dire que ce gars va venir payer la dot, c'est ça? Tu poses encore la question. Tout a été arrangé, non? Ok, apporte-nous le bouillon. Vas-y. Est-ce que tu vas payer? Je va le chercher, si elle ne paye pas, je paye. Relâche. L'histoire n'est pas encore terminée. Le meilleur reste encore à venir. Vas-y, on t'écoute. Eh bien, nous sommes tout de suite. Vous connaissez le prince tout-puissant, n'est-ce pas? C'est comme ça que le gars est allé de côté avec moi et a commencé à me dire certaines choses. Oh, des choses pas très catholiques. Attends-moi, viens. Viens, repose tes fesses. Allez, dégage. Repose tes fesses ici. Attends. Le prince. Dossier, tu as donc vu? Nous devons nous conformer à la décision du roi. Tu dois épouser cette fille. Moi, en tant que ton père, c'est ma responsabilité de payer la dot. Mais sache que tu iras là-dehors et que tu vas faire n'importe quoi. Oui, tu vas faire n'importe quoi pour trouver cet argent parce que je ne serai pas le seul à supporter toutes ces charges. Tu vas faire n'importe quoi. Papa, je n'aime pas ces choses. Hein. Je n'aime pas du tout ce genre de choses. Selon quoi tu me pousses? Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore à moins que tu veuilles venir avec elle ici et faire d'elle ta deuxième femme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas prêt pour ça. Mais tu es prêt à faire toutes ces choses, comment est-ce que je vais dire ça, dans les buissons? Dossier, est-ce que tu veux me tuer? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Tu as quitté l'université quelques semaines seulement avant la remise des diplômes, me disant que tu veux faire les affaires. Et j'ai fini par vendre le seul et unique lopin de terre que j'avais. Je t'ai remis l'argent. En quelques mois seulement,
Tu as bousillé tout l'argent et tu es rentré à Lagos, Babalan. Naizo. Hein? Arrête de rappeler son passé en dossier, Biko, hein? Je souhaite que j'arrête de lui rappeler son passé. En oubliant que le passé est la mère du présent. Naizo, tu as raison. Va faire les travaux que je t'ai demandé de faire. Va faire les petits jobs. Gagne beaucoup d'argent et achète les articles. Parce qu'en ce qui me concerne, mon fils, je ne payerai pas cette dot. Dossier, j'espère que tu as entendu ce que ton père a dit. Je n'épouserai pas cette fille. Je n'épouserai pas cette fille. Non. Mais comment? Non, mais non, je vais me retrouver en train de faire des petits jobs juste pour... Juste pour gagner de l'argent et épouser cette femme. Je m'en fous de ce que tu dis. Tu vas faire ce que ton père dit. Dossier, tu ferais mieux d'écouter ton père. Si tu aimes ta vie, fais ce qu'il te dit. Donc, mais non, je dois concrétiser. Vous aussi. Fais-le. Non, mais... Fais-le. Tu ne nous écoutais pas lorsqu'on te parlait de toutes ces choses. Non, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Dossier, la fille est même belle. Allez. Arrête. Tiens ceci. Maintenant, donne-moi l'autre. Grande sœur. Nous avons vu où il se cache. Vous avez vu où le dossier se cache? C'est dans les alentours. Très près. Allez, Omega, continue le travail. Et qu'en est-il allez. Du moteur? Juste, arrange-le, j'arrive. Ok, c'est bon. Table! Table! Couille! Regarde. Merci beaucoup. Merci. On va voir ce qui va se passer. On verra bien. Bonjour à tous. Je voulais juste vous informer que tout ce que vous avez apporté pour l'Imego est complet. Dans cet article, j'aimerais vous informer que traditionnellement, ma fille, Ebou Bechoukou, est désormais mariée à Dossier. Très bien, papa? C'est bien, très bien, vraiment, hein? c'est bien. Désolé, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Attendez, ce n'est pas fini. Hein. Mm-hmm. Ce qui reste, c'est l'argent pour les jeunes. Notre président arrive déjà, c'est juste 5 000. Hein. 5 000, oui, 5 000. 5 000, c'est ça? 5 000. Il faut vraiment qu'il donne cet argent pour les jeunes. Il faut qu'il leur envoie cet argent. S'il vous plaît, donnez-nous les 5 000. Oh, je vous en prie. 5 000. Et 3 000 Naira pour la sécurité. La sécurité. Travaille beaucoup. Vraiment. Merci. Ne vous en faites pas. Oui, le compte est bon. Je vais m'en occuper. Garde bien cet argent. Sans problème. Je te préviens, garde bien cet argent. Dosi enlève la main à la joue. Chérie, fais venir ta fille. Elle n'est pas ta fille à toi, celle-là, ok? Mais putain, n'est pas ta fille à toi. Oh, oui. C'est très bien.
Oui, voilà. Être sûr n'a pas tardé à arriver. Je disais. Vraiment, je suis sûr. Ah ouais, non, c'est ça. Ma petite fille. Papa. Ma fille. Je te donne ceci afin que tu nous montres qui est ton mari. Montre-nous les lieux de ton cœur. Tu peux toujours venir me le donner, je crois. Je suis disponible. Ça, c'est de véritables âmes sœurs. Dosier. C'est quoi ça? Vas-y. Dosier, c'est quoi ça? Tu ne veux pas boire? Tu veux que je te force? Tu ferais mieux de boire ça ou... Mais qu'est-ce qu'il attendait depuis pour boire? Être des hommes. C'est vrai, tu as raison. Vous devez vous comporter comme des hommes. Grande sœur, grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur, c'est Dosier. Dosier veut tuer mon enfant et moi. Quoi? Dosier a fait quoi? Hein? Tu veux dire que Dosier a osé poser ses sales mains sur toi? Après tout ce qu'on lui a fait, il est stupide. Il a osé lever la main sur la sœur d'Azuka. Oui. La combattante de la liberté. Vous pouvez imaginer cela? Vous savez quoi? Allons-y. 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 Il va nous entendre. Je ne l'ai pas touché. Je le jure. Je ne l'ai même pas touché. Non, mais regarde-la. Je ne l'ai pas touché. Regarde-la. Il faut que tu me crois. Je le jure. Écoute, Dosier. Cela ne me concerne pas. Mais je te le dis juste. Si tu fais du n'importe quoi, je te ferai du n'importe quoi. Tu m'entends? Oui, grande sœur. Non, mais dis-lui, est-ce que j'ai posé main sur toi? Il faut que tu lui dises. Non. Grande sœur, il a refusé de me toucher. Je parle du toucher qu'on fait dans la chambre. Hein? Mais il fallait me le dire, non? Hein? Tu aurais dû me le dire. Donc tu n'as pas touché ta femme. Oh non, je vais le faire. Tu n'as pas touché ta femme. Il ne m'a pas touché. Allez, amène-la à l'intérieur. Va et commence à la toucher. Oui. Emmène-la à l'intérieur. Ou tu veux que je vienne te garder? Mm-hmm. Tu ne sais pas qu'une femme enceinte a besoin qu'on la touche constamment? Mm-hmm. Tu ne la touches pas. Il ne me touche pas. Vas-y, emmène ta femme à l'intérieur. Grande sœur, dis-lui de me porter. Porte ta femme. Porte-la, ton fils. Porte-la, nous sommes encore là, hein? Oui, nous ne sommes pas encore partis. Porte-la. Porte-la. Porte-moi, non. Porte-la, non. Ah, ben voilà. Ne me fais pas tomber. Bien. Un foyer heureux. Je veux entendre sa voix d'ici. Amusez-vous bien, les tourtereaux. J'attends. Porte-moi, non. Porte-moi. J'ai pu arranger le problème. Altesse, j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé d'arranger la voiture, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Altesse, ça me dépasse. Je n'ai pas l'habitude d'arranger ce genre de voiture. Tu connais quelqu'un qui peut la réparer? Ah, la seule personne qui peut arranger cette voiture maintenant, c'est juste une personne. Tu as son numéro? Oui, oui, bien sûr. S'il te plaît, appelle-la pour moi. Ok. Allô? Ah oui, 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 c'est moi. Oui, oui. Est-ce que tu peux venir vers la rivière à caveau, cette route qui va vers là, non? Oui, 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 oui. T'en fais pas pour les outils. J'ai les miens aussi. Tu peux les utiliser. Ok. Tu arrives. Ok. Altesse, la personne est en route. D'accord.
Oui. Ah, votre Altesse. Bonsoir, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Bonjour, Altesse. Ah, bonjour. Azuka, tu travailles avec ces mécaniciens? Oh, mon prince, non. C'est ma patronne. Je travaille pour elle, en fait. J'ai tout appris d'elle. Ah. Oui. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture? Azuka, j'ai fait ce que je pouvais. C'est pour cela que je t'appelais. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette voiture. D'accord. Maintenant, recule. Omeka, entre, entre. Je peux avoir la clé? C'est à l'intérieur, c'est ouvert. D'accord. Mm-hmm. Vérifie et dis-moi ce que tu vois. Le rouge, la flèche s'étend vers... c'est au milieu, entre le vert et le rouge. D'accord, je sais où le problème se trouve. Apporte-moi le tapis. Ok. 13. Altesse, désolé. Ça, c'est 14. Vous donne-moi 13, donne-moi 13. Donne-moi. Ah, c'est bon. Ah. Je regarde par ici. D'accord. Nai, c'est le prince O. Il dit qu'il cherche notre fille Azuka. Je ne sais pas ce qu'elle a encore bien pu faire. Hein? Je ne sais même pas comment l'approcher, puisque je ne connais même pas la nature du crime. Elle est là. Tu sais? Salut. Elle est là. Je t'attendais. Et pourquoi? Eh bien, je suis venu juste pour te dire merci pour l'autre fois. Des remerciements encore? Oui. Je croyais que tu avais déjà dit merci. Au contraire, je suis venu pour te dire un merci spécial. En fait, c'est pour t'amener dîner. M'emmener dîner? Oui. Et pourquoi? T'as mené balader juste pour manger et bavarder. Viens par là et fais attention. Ils pourront te voir. Il ne faut pas qu'ils nous voient. Tu veux sinon, ça pourra nous causer des ennuis. Pourquoi est-ce que tu voudrais m'emmener en promenade? Et souris, souris. Ils sont en train de rire. Hey. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de sérieux. Le sais, le scénario est si paisible. C'est comme s'ils sont amis. Hein? Juste bavarder. D'accord. Peut-être qu'il veut être son ami. Ma fille est devenue l'amie du prince. C'est vrai. Pourquoi tu as insisté que je te dépose ici? Ça fait un moment maintenant que je surveille mon petit frère. Il y a un coin quelque part là-bas. Je suspecte qu'il y ait des trucs louches qui se passent là-bas. Donc si tu me déposes là-bas, il s'enfuira. Ok, une minute. Ça c'est pour toi. Et c'est pourquoi? Eh bien, pour avoir passé du temps avec moi. Tu veux dire que tu me donnes tout ceci juste pour avoir passé du temps avec toi? Oui. D'accord. J'ai beaucoup de temps à dépenser au cas où tu en aurais besoin la prochaine fois. C'est d'accord. Mais tu es sûr que tout va bien? Altesse! À plus.
Fils, tu n'es pas content. C'est tellement évident. C'est rien, père. Ah, mon fils. Tu sais que je peux te lire comme un livre. Est-ce la raison pour laquelle tu t'es comporté froidement lorsque Chendo a appelé pour dire que le mariage était annulé? En fait, je ressens un grand soulagement. La vérité est que ça fait un temps que je vois une fille, même si je ne lui ai pas encore fait part de mes intentions. Pourquoi? Si tu l'aimes, dis-le lui, comme ça tu ne serais pas en train de construire des châteaux en Espagne. Père, je l'aime. Elle est épique, phénoménale, incroyable. Et pour couronner le tout, elle est jante. Que veux-tu dire par jante? Je ne crois pas que tu pourras comprendre, mais j'ai de profonds sentiments pour cette fille. Alors, adresse-lui une invitation pour le déjeuner cet après-midi. Vraiment? Oui, juste nous trois. Comme ta mère n'est pas encore rentrée. Ok, merci père. Laisse-moi juste appeler l'un des messagers du palais pour aller la chercher. Ensuite, tu l'appelles. J'aimerais réellement voir la femme, tu sais, qui rend mon fils aussi agité comme ça. Arrête, père. Mes salutations, bonsoir. Le prince demande à vous voir, madame. Hein? Le prince voudrait vous voir. Hein? Le prince m'a demandé de venir vous chercher, madame. D'accord. Continue d'arranger le... Continuez, mais qu'en est-il du carburateur? Quoi? Termine d'abord celui-ci. Je vais le faire tout seul. Mon ami, assieds-toi et termine ce truc. Je serai avec vous. Tu verras, il est sympa. Oh, il est là. Igo et... Père. Veuillez vous asseoir. Merci, père. Et où est l'invité? Que nous attendons. Père. C'est elle. Elle? Oui, père. Peux-tu l'amener dans la salle d'attente et tu reviens? Ok, s'il te plaît, viens avec moi. Par là. Fils, elle n'est pas comme les autres filles. Il est bien clair dans cette communauté qu'elle ne se comporte pas comme les autres filles. Elle est mécanicienne. Elle se bat avec les hommes et elle finit par les tabasser. Elle gifle quiconque traverse son chemin, prince. Elle n'a aucune amitié féminine connue. Seulement des hommes. Père, voici la femme avec qui je veux être. Je sais qu'elle n'est pas comme toutes les autres femmes, mais elle est courageuse, elle est brave. Elle a un bon état d'âme. Et elle sait ce qu'elle veut. J'aime les gens qui peuvent défendre leurs droits. Père, avec tout le respect que je te dois,
chemin que tu empruntes est le meilleur pour toi. Je suis très sûr, père. Tu es sûr? Oui. Alors, amène-la et puissions-nous déjeuner. Merci, père. Je m'en vais la chercher. Of you and I will keep me always suffocating. Never coming close, your papa stay policing. I sight you from afar, but you always on the run. Yeah. Oh my God, walking in the front. Made up in the waste time anyway. Maybe I'm the fish, I'll sweet it be. Give me all attention, so delay. We gon' live for life, no parting ways. It's funny, the whole world's a man. But I can't give up, my love is calling. Phenomenally, I still come from it. Mais c'est pas vrai. Tu vois ce monde? Ce monde est beau. Ah, qu'est-ce que cet homme fait encore ici? J'ai déjà fait ce qu'il voulait. Allez, mange. Je n'arrive pas à croire que moi, Omeka, je mange ce qui vient du palais. Hey! La vie tu sais belle. Que tu es mon pote, non? Quand tout va bien, nous sommes ensemble. Mm-hmm. Et quand tout va mal, je confirme. Nous sommes toujours ensemble. Alors, Asuka, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'a amené au palais? Nous allons parler de ça plus tard. Moi aussi, je ne te raconterai pas ce qui s'est passé. Arrête ça. Régale-toi. Tu dis que tu ne manges pas. Prends-moi la viande. J'ai déjà mangé. Un morceau de viande. J'ai déjà assez mangé au palais. Je comprends. Donc tu as mangé et tu as bu avec tous les puissants rois de notre communauté. Absolument. Bien sûr. Hey! Papa, pourquoi est-ce que tu crois que... Pourquoi est-ce que tu crois que je ne veux pas me marier? Asuka, tu n'es plus une enfant. Tu ne peux pas avoir ce genre d'opportunité. Tout le temps. Écoute, je ne peux pas attendre avant de porter mon petit-fils. Hein? Le mariage devait être la chose qui traverse ton esprit maintenant. Regarde. Tu es très chanceuse. Parce que tu vas épouser un bel, jeune et riche homme comme le prince Chissa. Papa, écoute, hein, ce n'est pas comme si je ne voulais pas me marier. Mais tu vois ce palais, c'est comme une prison. Tu sais, j'aime être libre. Je ne peux pas m'en sortir dans un endroit où il y a beaucoup de « fais ci, ne fais pas ça », tu sais. Est-ce là ton problème? Voilà ton souci, hein. Tu vas t'y habituer. Tu sais ce que ça signifie? Devenir la femme du futur roi, c'est la reine. Écoute, je vais te dire. Ma fille, Asuka, va porter la royauté et va arrêter de marcher comme un Omeka. Papa, oublie ce côté haut. Tu vois ma démarche là, hein? Je ne pense pas que je vais la changer parce que je l'aime comme ça. C'est un mensonge. Il se fait déjà tard. Il faut aller te coucher parce que nous avons réunion demain avec le roi. Hein? D'accord, papa. Bonne nuit. Ok. Ah.
Je veux continuer mon travail. Tu sais que j'aime être mécanicienne. Ça me donne de la joie. Et j'adore mes outils. Je ne pourrais pas m'en passer. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je peux voir à quel point tu es tellement passionné par ce que tu fais. Tu sais quoi? Je vais le faire grand. Un atelier de mécanique informatisé, comme une salle d'exposition. Juste pour toi, comme ça tu feras tout ce qui te plaît. Ah, mon prince. Oh, oh, attends, attends, maintenant tu me frappes, tu le sais, n'est-ce pas? Oh, tu ne me pas trop un jour, tu le sais, n'est-ce pas?